Là, c'était ma journée, ma journée du mois avec mon homme. Et puis bon, donc nous sommes allés faire un tour dans une pépinière du côté de Vannes, une pépinière que je ne connaissais pas. Donc ils ont pas mal de petites choses quand même, même si on va dire tout ce qu'il y avait là-bas, j'ai déjà. Mais par contre, tous les plants sont vraiment en pleine forme et tout, donc ce qui change. Et par rapport à la taille des plants, bien sûr, bon là j'en ai pris pas mal donc ça monte, mais par rapport à la taille des plants, ils sont vraiment raisonnables, hein. Quand je vois, bah, je vous ferai voir tout à l'heure autre chose. Bon, il y a des choses, forcément c'est beaucoup plus cher, mais parce que bon, c'est des plantes aussi qui sont chères, mais il y a des choses que j'ai achetées, que j'ai fait venir, qui étaient pratiquement au même prix et qui font même pas la moitié de ce que j'ai pris, enfin au niveau taille. Donc voilà. Donc là, je vais commencer par le jasmin. Alors le jasmin, l'avantage c'est que ça sent très bon. Donc, dès qu'on passe à côté, en général, c'est très odorant. Donc, c'est pas en général, en principe, c'est odorant. Donc, là, j'en ai pris trois sortes. Donc, j'ai pris un jasmin étoilé. Donc, qui est là. Je vais voir l'étiquette, comme ça, c'est beaucoup plus simple de. Voilà, un jasmin étoilé. J'ai pris un jasmin officinal. Ils montent bien, hein, ils font plus d'un mètre. Hein. Alors je suis sous la flotte, mais bon, sous les arbres, donc ça va, ça ne pleut pas encore de trop, tant que les feuilles sont pas trop mouillées. Et j'ai pris un autre jasmin qui est là. Alors là, ça doit être le nom. Alors, ils avaient l'air beaux au niveau des fleurs, c'est encore des fleurs différentes. Alors, Jasminum polyanthum pyramide. Donc, voilà. Donc, voilà. J'ai pris aussi des myrtilles à gros fruits. Alors, quand on les achète, c'est vraiment super cher. Donc, autant les avoir dans le jardin. J'en avais mis un pied, je crois déjà. Donc en voilà deux autres. Donc voilà, les pieds étaient beaux aussi, assez grands. Donc voilà. Hop. Voilà, jusque là. J'ai repris deux romarins, donc un sous forme de buisson et l'autre rampant. J'avais un rampant devant la maison. Mais l'année dernière, il a fait tellement sec qu'on a oublié de l'arroser. Je ne suis pas sûre qu'il va repartir. Donc voilà, j'ai prévu le coup, parce que j'aime bien le romarin. Donc j'en ai repris deux et que je vais placer forcément différemment, pas au même endroit. Donc voilà. Vais avoir l'étiquette. J'ai repris aussi deux pieds de menthe. Alors, il y a un mojito que je n'ai pas encore ici. Alors, la feuille est très belle. Pour pouvoir faire des mojitos. Bon, après, on n'est pas obligé de prendre de la menthe mojito pour faire des mojitos. Hein. Bon, c'est un peu fort pour moi le mojito, mais enfin bon, quand même. Et à côté, de la menthe poivrée. Que j'ai déjà, mais que j'adore. Donc j'en mets un petit peu partout. De toute façon, les aromatiques, j'en mets partout et j'aime bien la menthe. Donc j'en mets. Ici, j'ai pris deux pilgrims. Donc ce sont des airelles à gros fruits. En plus, ils étaient en fruits, donc je me suis pas. Enfin voilà, ils étaient bien chargés. Donc, j'y allais, je les prends. Donc, tout ça, c'est comestible, bien sûr. Ici, alors j'ai repris un chalef. C'est mon sixième, je crois.
Mais là, il était beau, il était énorme par rapport au prix. On va dire, la taille qu'il fait, il fait bien 1 m 30, hein, je pense. Et à 19 euros. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc là, c'est un chalet Ebbingen Compacta. Donc j'en ai déjà 5 autres, hein, qui sont plus petits. Donc, donne aussi des fruits et des fruits comestibles. Voilà, c'est plein de petites baies. Ici, donc je pensais pas reprendre de kaki, mais je me suis laissée tenter quand même, vu la taille du kaki et qui montait déjà, enfin qu'il était en train de faire ses fruits. Donc malgré que, on va dire, mon fils en le transportant, il a cassé quelques fruits. Bon, c'est vrai, il y en a d'autres, mais bon, ça m'a un petit peu fait chier, on va dire. Pardon, du langage, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors, je sais pas si je vais réussir à faire le point. Donc voilà, il y a plein de fruits comme ça partout dans l'arbre. Donc là, il fait bien un bon 2 mètres, hein. Donc voilà. Donc pour une cinquantaine d'euros. Donc bien sûr, hein, tout mis bout à bout, j'ai pour un petit paquet, hein. Mais bon, moi c'est mon investissement, en fait, je garde bien sur des comptes, hein. J'investis tout dans la terre. Aussitôt que ça arrive, aussitôt c'est parti. Voilà, donc il fait bien ses 2 mètres. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le kaki, c'est vraiment très très bon. Donc je vais vous faire voir l'étiquette de celui-ci. Je ne sais pas si c'est la même variété de ceux que j'ai déjà. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Le kaki, c'est un fruit qui est vraiment très doux, que j'adore, hein. Ouais, bon, l'étiquette, elle bouge un peu trop avec le vent, mais bon, c'est pas grave. Ici, j'ai repris un Rumneya Cool Terry. Alors, c'est un pavot de Californie. Mais en fait, ça fait une espèce d'arbuste. C'est magnifique une fois que c'est en place. Ça fait vraiment. J'avais découvert ça dans une vidéo. Franchement, je crois que c'était la pépinière Septan. Franchement, j'avais trouvé ça magnifique. Et donc au début j'avais trouvé des graines et depuis ben, du coup j'ai retrouvé 2 pieds. Donc là il n'était pas super super beau, mais bon c'est pas grave, il va se refaire, hein, ça va repartir du pied bien sûr. Mais il y a déjà une fleur. Rectification, 2 fleurs et quelques boutons. Bon là les fleurs sont un peu abîmées, bon, entre autres pendant le transport et puis. Voilà, ils n'étaient pas trop entretenus là-bas. Mais c'est magnifique, une fois que c'est bien parti, c'est vraiment magnifique. Donc ici, j'ai repris un pin parasol. On en a déjà un devant. Alors, j'adore les pignons de pin. Donc voilà, bon, avant qu'il me donne des pignons, il va falloir un petit peu attendre. Mais voilà, j'en ai un quand même qui a pas loin de 15 ans devant. Mais c'est marrant, il m'a jamais donné de pignon. Donc j'espère que là, celui-ci a été acheté en pépinière. Je pense que mon hôte, je sais pas, c'est pas moi qui l'avais acheté, il l'avait pris en jardinerie, je sais pas. Alors peut-être que, je sais pas, il était stérile, j'en sais rien, je sais pas. Enfin pour l'instant, on n'a pas eu de pignon de pin en tout cas. Ou alors, faut que je regarde, peut-être que c'est beaucoup plus tard encore. Bon, en attendant, j'ai repris un pin. Parce que, déjà en plus, c'est très joli un pin parasol. Donc voilà, là, je ne sais pas combien il fait, mais il fait bien, c'est 1 m 50, hein, je pense. Ici, j'ai repris une sauge, donc une sauge officinale. Ici, j'ai pris un azalée japonaise, donc ça supporte les moins 12. Donc j'ai trouvé la fleur très belle. Donc je connaissais les azalées, mais je trouvais que bah, la couleur me plaisait en tout cas. C'est très doux.
Ici, j'ai pris un mûrier à gros fruits. Il y a déjà sa montée en fruits. Hein. Donc ce mûrier est sans épines aussi. Ici, j'ai pris un hortensia, donc il n'y a plus l'étiquette, donc je ne sais pas, il devait pas y être. Donc dans cette teinte-là. J'en avais pas encore. Voilà, qui sera fait. Ici, j'ai pris un petit plant de camomille romaine. Donc, je vais déjà fait quelques semis, mais très peu ont pris. Donc, c'est pas grave. Je remets des plants en plus. Un petit plant en plus. Il y en avait qu'un. Autrement, j'en aurais pris plusieurs, mais bon, il y en avait qu'un. J'utilise beaucoup la camomille dans mes infusions. Ça donne un très bon goût. Comme j'utilise pas mal de plantes sauvages qui n'ont pas forcément un goût spécial, bah le fait de rajouter de la camomille, c'est vrai que ça donne un petit goût agréable parmi. Voilà. C'est vraiment très bon. Enfin, j'adore la camomille. Bon là, elle n'est pas en fleurs, hein, forcément. Ici, j'ai pris une suspension de fraises Charlotte. J'aurais pu la faire moi-même. Là, je me suis pas embêtée, j'ai pris la suspension toute faite. Donc, et on se rend pas compte, mais il y a pas mal de pieds dedans. Donc en comptant le pot plus les fraises, voilà, plus les pieds de fraises, ça va, je m'y retrouve. Donc là, c'est de la Charlotte, hein, je sais plus si je l'ai dit, mais il y avait déjà des grosses fraises dedans. Et autrement, j'ai pris pas mal de petits rosiers buissons, je pense, pour la plupart. Je me demande, je crois qu'ils sont tous buissons d'ailleurs. Voilà, pour leur côté bah, beauté, de la couleur, pour le côté mellifère. Et puis j'adore les roses, quoi. Voilà. Donc la plupart sont greffés, mais c'est pas grave. S'il faut que je refasse des greffes par la suite, on refera des greffes. C'est une des raisons pour laquelle j'ai mis aussi des cynorhodons à la maison. On peut greffer du rosier sur du cynorhodon. Donc le cynorhodon, là où je l'ai mis, il se plaît pas trop. Faudrait que je voie pour en mettre en sous-bois, je pense. Je verrai ça plus tard. Mais le cynorhodon est très bien pour faire des comment. Je viens de le dire, des greffes de rosiers. Alors, on va commencer sur un rosier. Alors, je vais vous faire voir les étiquettes en même temps, comme ça vous allez voir la couleur des fleurs, hein, quelque part. Donc, hop! Voilà. Alors, celui-ci, j'aimais bien son côté orange. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que là, je suis un peu dans l'ombre. La couleur était super belle. Enfin, moi, j'aime bien cette couleur-là. Ouais, j'ai cassé goût. Hein. Alors, franchement, là-bas, il y en avait partout dans le parking. Sur Vannes, ils mettent beaucoup de rosiers en buisson. C'est cela en principe. Donc, franchement, c'est magnifique. D'ailleurs, je me suis acheté un petit sécateur que je que je garde dans mon sac parce que un de ces jours, s'il y a quelque chose qui me plaît comme ça qui traîne, une petite boosture par-ci par-là, sans abîmer les plantes. Ben voilà, ça pourra. Voilà, je pourrais refaire des boutures de choses que je n'ai pas, quoi. Alors celui-ci, il est rouge. Alors c'est celui-ci qu'ils avaient dans le parking. Franchement, il est magnifique. Il y en avait vraiment partout.
ici un rouge pâle. Alors, je vais pas les mettre ensemble, hein. Je vais les séparer, je pense. Un rose pâle. Ici, un blanc. Ici, un fuchsia. Ici, un jaune. Ici, c'est complètement une autre sorte. Donc là, c'est pareil, c'est un rosier buisson. Buisson, mais à grandes fleurs. Je pense qu'elles vont avoir un effet un peu velours, mais je suis pas sûre. Voilà, j'adore ces roses-là. Ici, un autre rosier buisson. C'est pareil, dans les tons orangés. Je l'ai trouvé très beau. C'est un rosier Erico Takeda buisson. Quand je vois comment mon hôte, mon Barbara Streisand a poussé depuis l'année dernière, franchement, je pense que ça va venir assez vite en buisson, c'est magnifique. Hein. Ben, on aime ou on n'aime pas les roses, hein. Mais je trouve que c'est une fleur quand même qui est magnifique dans l'ensemble. Même les cynorhodons, hein, les... donc l'aubépine, des fleurs d'aubépine, c'est vraiment, ou Rosa canina, franchement, c'est aussi très beau. C'est une fleur qui est toute simple, mais que j'aime aussi beaucoup. Donc, je vais finir sur une vue d'ensemble pour vous dire au revoir, puis à une prochaine vidéo. Parce que là, j'ai du boulot à faire. Je sais pas si je vais m'y mettre ce soir, parce que là, il mouillasse un peu. Puis bon, je vais me reposer aussi peut-être un petit peu. Parce que bon, je fais ça quand j'ai le temps. Alors, ce que je vais faire là, je vais mettre tout le monde au bain, comme j'ai fait. J'ai plusieurs bassines, j'ai plusieurs choses où je vais pouvoir les mettre à tremper. Donc je vais mettre tout ça au bain de façon à ce que ça ne souffre pas. Et en plus, voilà, je mets ça sous les chaînes de façon à ce que ça ne soit pas en plein cagnard, quoi. Hein. Donc voilà, comme ça, c'est mi-ombragé. En attendant que ça soit planté et puis le pied au frais, si je vois que ça reste trop longtemps au frais, je sors de temps en temps. Hein. Celle-ci, voilà, faut pas la laisser trop longtemps, donc je l'ai sortie un peu, c'est bien humide. Quand elle sera sèche ou avant qu'elle soit complètement sèche, je la remettrai à tremper. Et quand je vois qu'il n'y a plus d'eau dans les bassines ou brouettes, ou, voilà, je remets. Alors il y a des fois j'ai besoin de mes brouettes, c'est pas toujours facile tant que j'ai pas planté. Mais bon, voilà, hein, on fait comme on peut. Parce que j'aurais peut-être pas assez de bassines, j'en ai pas mal, mais voilà, j'aurais peut-être pas assez de bassines pour tout mettre autrement. Donc là c'est ce mois-ci, donc j'en prends rarement autant. Le mois prochain, je vais sûrement retourner à cette pépinière parce que, bon, mine de rien, en fait, on n'a pas mis longtemps pour y aller, limite moins que quand on va sur Nantes parce qu'il y a moins de bouchons. Et puis, j'ai 20 euros, du coup, j'ai fait faire une carte parce que, vu le tarif que j'en ai eu, j'ai fait faire une carte et j'ai déjà 20 euros dessus. Donc, je vais pas me louper pour la prochaine fois. Je vais déjà prendre quelque chose avec les 20 euros. C'est pas négligeable. Et puis, je reprendrai autre chose par la suite. Donc là, maintenant, je table. Comme j'ai pratiquement tout ce qu'on peut trouver en jardinerie, je vais tabler sur des choses. Alors, soit maintenant, je vais reprendre des arbres plus grands. Alors moins, bien sûr. Là, j'ai pris beaucoup de choses, mais des arbres plus grands parmi, puis après des petites bricoles, des petits fruits, des petites choses, parce que l'avantage de prendre des baies, c'est que ça donne pratiquement tout de suite. Donc, ça permet d'avoir des fruits quand même assez rapidement. Et puis, c'est vrai que quand on prend un framboisier ou autre, donc au début, hein, tant que c'est pas une belle touffe, il en faut quand même beaucoup avant de pouvoir ne serait-ce que faire de la confiture. Donc pour l'instant, j'ai pas de quoi faire de la confiture, mais tous les jours, j'arrive quand même à avoir des framboises. En ce moment, tous les jours, on arrive à avoir un petit peu de fraises. Tous les jours, on arrive à avoir un petit peu... Qu'est-ce que j'ai mangé aussi? On a mangé des...
des fruits de la mélanchier. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment autrement? Donc, il y a des choses qui vont arriver, hein, qui sont déjà en fruits, mais bon, va falloir attendre un petit peu. En tout cas, je suis super contente parce que je ne pensais pas avoir le temps de prendre de tout ça. Et donc, je continue. Hein, tant que... De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je laisserai bien rien du tout aux banques. Je fais très peu de courses pour manger. Donc, bah, tout ce que je ne mets pas dans la nourriture, ça part dans les plantes. Ça part pour nous, voilà, plus tard. Hein, c'est un investissement. Mais ça part, que ce soit pour la retraite ou pour un éventuel effondrement, par exemple. Mais c'est aussi, je vois beaucoup plus loin. Ça sert aussi pour la nature. On va dire que là, mon terrain. Je pense que ça doit être le plus boisé de où je me trouve. Ouais, je pense que c'est le plus boisé. Et encore, je continue. Donc, on va dire que c'est le poumon d'où je suis. Et j'aime beaucoup les arbres. J'aime pas les couper. On les coupe pas d'ailleurs. Ou alors, voilà, ça va être quelques branches parce qu'il y a des branches qui vont gêner, soit pour les fils électriques, soit parce que ce que j'ai mis en dessous commence à devenir un peu grand. Donc, comme j'ai beaucoup de chênes, donc forcément, je vais favoriser, puisque bon, ça n'enlèvera pas le reste des chênes, j'en ai toujours un paquet. Donc, ça va favoriser, comment dire, le fait de couper, ça va favoriser les fruitiers qui peuvent se trouver en dessous. Pour le moment, pour certains. Donc, ça leur permet de démarrer quand même le pied à l'ombre. Et ils se plaisent souvent mieux à mi-ombre qu'en plein cagnard. Ça permet de moins les arroser aussi. Et puis, voilà, moins de travail aussi pour moi. Et puis, bon, il faut savoir qu'une fois que cette forêt fruitière est plantée, qu'on l'arrose, bon, au début, il faut vraiment arroser pendant un an et demi, voire 2 ans, suivant la taille des plants. Mais une fois qu'ils sont bien implantés, que les racines sont profondes, c'est pas comme un jardin, comme un potager, hein, il n'y a plus rien à faire pratiquement. Donc, c'est des choses qu'on aura à notre portée tout le temps et on va dire sans rien faire. Donc, on va dire c'est le potager du paresseux. Et puis, voilà, c'est quand même un poumon de plus pour la planète. C'est vrai que c'est pas grand-chose. J'ai 7000 mètres carrés. Il n'y a qu'une partie qui est vraiment. Bon, j'ai des arbres partout dans le terrain, mais cette partie-là est surplantée par rapport au reste. Mais voilà, c'est. Quand on est là, je peux vous dire que je respire. Moi qui avais des problèmes respiratoires, j'ai récupéré, alors peut-être pas quasiment toute ma capacité respiratoire, mais pas loin. Et je pense que mon jardin m'a beaucoup aidée. Il faut savoir que quand je me trouve ici, dans le fond, là, à part les oiseaux, mes poules, les arbres, il n'y a pas grand-chose qui me dérange. On entend très peu les voitures parce qu'on est un peu plus loin. Il n'y a pas de maison à côté, hein, c'est des champs. Mon terrain, il n'est pas forcément super large, mais avec tous les arbres qu'il y a, on a l'impression qu'il est beaucoup plus profond. Et c'est le fait, ça fait le fait de mettre comment, des arbres comme ça, je peux vous assurer, il n'y a rien de mieux, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais arrêter mon blabla. Et puis, de toute façon, là, j'ai déjà une vidéo qui va apparaître avant celle-ci sur l'arrivage précédent. Et puis, bah, il y en aura sûrement d'autres. Hein. Tant que je peux, de toute façon, je referai. Je plante tant que je peux, de toute façon, j'investis dans la terre. Donc voilà. Allez, à plus tard. Salut.
Alors, Tarzan, alors tout à l'heure il était suspendu à la barre, alors, je ne sais pas s'il va recommencer. Voici Mister Rocky. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, mon pépère? Et tu vas tomber? Je peux vous dire qu'ils sont en forme. Et pour les conneries, surtout. À 2 mois, je peux vous dire que. Tout à l'heure, il était en fait, il était vraiment. Il était au milieu de la barre, il était suspendu à la barre par les deux pattes, quoi. Alors, je crois qu'il va remonter. Voilà, hop, voilà. Hey, tu fais voir la maîtresse? Allez! Pour la caméra. C'est le siège à Nini, normalement, vraiment. Oh le. Hey, doucement, Coco! Regardez, regardez, voilà, allez, la deuxième. Je peux vous dire que ceux-là, la maman est toujours en train de les allaiter, et je peux vous dire qu'ils sont vraiment en forme. Je crois que c'est les premiers qu'on a comme ça. Oh, il va tomber. Mais, hey, Rocky, tu vas tomber. Voilà, c'est intrépide. Ils me font peur des fois, mais non, ça a l'air de passer. Hein. Coucou. Bon, après, je préfère qu'il soit dehors qu'à l'intérieur, monter. Mais bon, voilà, il se défoule dehors. C'est l'avantage, c'est qu'ici, on a de la place. Puis rien les amuse. Ils montent pareil aux arbres. Hein. Enfin, là, ils aiment bien le hamac. Après, j'aime autant qu'ils ne mordent pas dedans. Chiffon. Et on ne mord pas dedans, nous. Yaya et sa maman, Myrtille. Et voici le fripon de Rocky.